Ah, il vient du monde. Ah non, on n'a plus d'accord. Bonjour et bienvenue à vous et un grand merci d'avoir répondu à l'invitation des amis Rolettes. Ça va pas. Ah, excuse-moi. Ça commence bien. Alors je recommence. Bonjour et bienvenue à vous et un grand merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Les amis Rolettes sont là, vous le savez, pour fêter cette belle fête, cette belle chaîne de solidarité qu'est le Téléthon et qui nous concerne tous. Bien sûr, le bénéfice de cet après-midi ira bien sûr au Téléthon. Et pour ce faire, vous avez plein de choses. Vous avez à votre disposition des boissons. Et puis, vous avez des gâteries, des douceurs que nos adhérentes et aussi des amis de la salle ont confectionné. Des gâteaux délicieux, faits maison, vous allez vous régaler. Et vous avez aussi une urne, bien sûr, du Téléthon. Alors, on compte sur vous, soyez généreux, soyez généreux. L'année dernière, on a bien participé et on était heureux d'offrir une jolie somme au Téléthon. Et ça sera pareil cette année, je le sens. Voilà, alors vous avez notre association est dans sa 6e année, je vous en parle un peu. Notre objectif principal est de créer des liens, de favoriser la convivialité. Et je crois que cette année, ben, c'est ce qui va se passer et c'est super. Encore un grand merci. Je terminerai aussi par des merci. Merci à la municipalité qui nous a permis d'avoir cette salle gratuitement, aux bénévoles qui coordonnent magnifiquement ce téléthon. Et puis, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais derrière nous, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais il y a quelque chose de nouveau. C'est la flamme des amis Rolettes. Alors là, je vais vous demander de faire un grand bravo parce que c'est Moïsette là-bas. Qui a le gilet rose, qui nous a fait ça toute seule. Et merci, merci Moïsette. Un grand merci aussi aux veillées chaumoises qui nous ont prêté gracieusement la sono. Hein, et puis bien sûr aux techniciens qui nous aident à ce que la sono marche, bien sûr. Et puis, mon dernier merci, c'est au groupe, qui est toujours là, qui est sympa, qui est de bonne humeur, qui est généreux, qui est un peu haïable, comme on dit, maître. Très, très bien. Eh bien, voilà. Bon, on va commencer, bien sûr, par chanter notre chanson fétiche, faite par Jean-Luc, qui nous a créé ça il y a 6 ans et qu'on a toujours beaucoup de plaisir à chanter. Voilà, bonne soirée à vous et merci de votre attention.
Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est Roland qui va vous présenter au fur et à mesure les artistes, les musiciens, les danseurs, enfin toutes les belles surprises. Excusez-moi, j'ai oublié. Merci, chère présidente. Alors, dans un premier temps, nous aurions dû avoir avec nous Sandrine, que vous connaissez, qui était déjà venue l'année dernière témoigner sur sa maladie. Mais il se trouve que cette année, elle a des problèmes de santé et donc elle est retenue. Un petit problème de micro, non, c'est bon. Et elle est retenue, donc elle n'est pas avec nous. Mais elle nous a laissé un message, c'est sous forme d'un témoignage. C'est très beau et cela montre un petit peu ce qu'elle vit tous les jours et sa difficulté. Donc c'est une ode qui est adressée aux, comme elle les appelle, les spondylos, c'est-à-dire ceux qui sont atteints de spondylarthrite ankylosant, puisque c'est la maladie malheureusement qui l'a atteinte il y a déjà quelques années. Et en même temps, elle s'adresse à vous, vous tous qui nous écoutez. Un premier pas arrache une grimace, une douleur, une brûlure qui agace. Si ça commence dès ce matin, on en a pour des jours, des semaines, à se traîner, à se mouvoir, à souffrir sans le vouloir. Puis c'est au quotidien que la douleur s'installe et fait que l'on râle. Que l'on râle après elle, après nous, après vous, après tout, après tous. La nuit dernière, on a bien dormi, mais cela ne va pas durer, c'est bien défini. C'est comme une machine bien programmée, et là, rien ne peut l'arrêter. Aucune articulation ou membre n'est épargné. Ni l'orteil, ni le talon, la rougeur et la douleur de l'orbite qui oblige à cligner de l'œil, ni la douleur du coup de pied dès que l'on franchit le seuil. Mais c'est le dos le plus rebelle. Au quotidien, refuse-t-il que l'on soit beau ou que l'on soit belle ? Il veut que l'on se penche, que l'on se courbe, ou bien qu'on flanche, alors on se redresse. Enfin, nous essayons. Avant que ne surviennent des moments de faiblesse, car la douleur est tellement présente et oppressante, même la cage thoracique n'a pas de laisse. Mais sans vouloir vous offusquer, nous n'avons pas parlé de nos fesses. Et malgré tout, que cela ne vous déplaise, entre les deux, notre dernière balance. Ne sachant sur le sacro-iliaque droit ou gauche trouver la cadence. Alors on s'amuse, on rit, on danse, oui, on danse. Car à la tombée de la nuit, une lueur surgit. Ça va mieux, on a moins mal. Les traitements sont efficaces, un peu, plus ou moins, et rien. Et rien presque ne transparaît. Mais cette nuit ou demain, nous paierons cette pertinence. Pourquoi ce corps ne semble aimer ni le trop peu, ni le trop, ni le repos. Chaque jour, chaque nuit, il espère ne pas se transformer en statue de pierre et que notre cœur, encore épargné, puisse tous ses sentiments encore exprimer. Ses doigts enflés ont un peu de mal à écrire cette nouvelle avant de s'engourdir cette nuit de plus belle. Au regard des autres, rien ne laisse entrevoir une différence. Aucune critique à leurs yeux. Nous sommes identiques. Ils nous veulent authentiques, mais hélas, pas sans dommage. Leur amour, leur tendresse, leur amitié ou leur simple présence est ô combien bénéfique. Remercions par leur soutien, leur amour, leur intégrité, tout notre entourage et les membres de notre famille, amis et soignants. Et vous qui suivez, qui nous suivez et qui donnez, à vous tous, permettez-nous d'espérer. Voilà, c'est Sandrine qui nous laisse ce message. Et donc, cette journée est évidemment sous le signe de la générosité et du don. Donc, j'allais reprendre le single des Amis Rolettes, écrite par Jean-Luc. Et j'avais envie de dire donner pour le Téléthon, donner
Et si Jean-Luc pouvait nous laisser la musique, si c'est possible, pour déclencher ces gestes du cœur et de générosité, car nous espérons bien ce soir que notre urne, comme l'année dernière, sera bien remplie. Alors maintenant, on place aux amis Rolettes qui vont poursuivre le début de ce spectacle. Et ce sont les amis Rolettes au temps des yéyés.
garçons et les filles de mon âge. On l'avait pas dit. Yeah.
Et maintenant, une chanson que nous avons toutes mes dames fredonnées, La plus belle pour aller danser, de Sylvie Vartan. Il était beau. Retiens la nuit. Thank you.
Vous descendez par là ? Alors, après ces moments de chansons, nous allons maintenant écouter les Barges de Seine. C'est une troupe de comédiens amateurs qui, en deux temps dans la soirée, vont venir nous proposer deux scénettes. La première va être jouée par Francette, qui va jouer la dame. Les Barges de Seine proposent des ateliers de 7 à 77 ans, quasiment, et entre autres, des ateliers pour enfants, des ateliers pour adolescents et également des ateliers pour adultes. Donc on va voir dans un premier temps Francette, comme je vous l'ai dit. Puis après, en deuxième temps de soirée, on aura également la chance d'écouter un autre groupe de trois personnes qui nous interpréteront une nouvelle scénette. Si vous êtes intéressé pour rejoindre les ateliers des Barges de Seine, dans la salle, il y a des personnes qui pourront vous renseigner. Voilà, si vous avez envie de faire du théâtre. Donc, place au théâtre maintenant et place à Francette, qu'on applaudit bien fort pour l'encourager. Ça fait
mais c'est pas Marcel. Non, monsieur. Ils me passeront tous sur le corps. La famille. Les amis. Les pauvres. Si je prends des pauvres. Mais j'ai pas une minute à moi, monsieur. Après la semaine que je viens de passer, eh ben dimanche, il a fallu que je reçoive le grand-père. Un vieux maniaque. On n'en fait jamais assez. Et négligent. Oui. C'est pas comme avec Mémé. En fait, on te gosse. Une bande de petits vicieux. Je leur ai dit, moi. Si je vous prends la main, non. Oh, voilà Marcel. Oh ben non, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il fait, non? On va écouter Nadine, Nadine, Marie-Paul et Alain, qui vont nous interpréter une chanson de Rissé Barrier, une chanson drôle. Rissé Barrier qui avait prêté sa voix, vous vous en souvenez peut-être, à des séries télévisées comme Saturnin le caneton, pas si vous vous souvenez de ces moments télé dans les années 70. Également avait prêté sa voix à Barbapapa, dont il avait écrit également paroles et musique. Voilà, donc c'est un chanteur fantaisiste qui nous a quittés il y a, je ne sais plus très bien, mais c'est pas si vieux que ça. Voilà, donc maintenant place à Nadine, Marie-Paul et Alain dans une chanson appelée La Moule. La marchande de passage. Oui, ben d'accord. Dominique, est-ce qu'elle est arrivée, Marie ? Ça va, Francette ? Vous êtes Dominique, non ? Non, d'accord. C'est Cathy qui fait l'homme objet. Ah, d'accord, je ne vous ai pas vu. D'accord. Et Dominique Mastripieri, elle va chanter. Elle est prête à venir ? Oh oui, il faudrait qu'elle vienne.
belle marchande de poissons. Elle a les mains un peu collantes, le teint d'un vieux pêcheur breton. Et tous les jours, il la contemple, dès qu'on lance ses maquereaux. Il écoute sa voix qui l'enchante, plus douce qu'un violon alto. À la moule, elle est belle, elle est fraîche, ma moule. Oh, la 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 la. Toujours j'en rêve. La 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 la. La nuit j'en crève. La 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 la. Elle me rend fou, j'en peux plus. Car cette rousse impénétrable ne vit qu'à l'heure de la marée. Ses denrées sont si périssables qu'elle n'a pas une minute à lui consacrer. Mais quelle conscience de poissonnière! Elle soigne toujours ses bons clients. Quand ils ont un peu d'urticaire, elle leur offre un citron gratuitement. À la moule, à la moule, à la moule, elle est belle, elle est fraîche, ma moule. Oh, ça me tue. La 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 la. Elle sent le large. La 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 la. L'iode et les algues. La 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 la. Comment lui dire, j'en peux plus. Oh, vous, ma rousse inflammable. Oubliez donc vos bigorneaux, mon amour est plus délectable que la plus belle moule d'Hollande ou de Bouchot. De sa jolie voix caressante, elle lui dit: je vois ce que vous avez, prenez de la plie ou de la limande, c'est très bon pour les décalcifier. Oh, je pêche dans les eaux troublantes de l'incommunicabilité. Alors, notre marchand de poissons va sans doute nous proposer d'autres friandises différentes des moules qu'elle vend habituellement. Des gâteaux. Je suis en gâteau à l'entraque. Mais si vous avez de l'urticaire, j'ai plus de citron. C'est moi qui l'ai. Oui. Bon, bravo. Et maintenant, dans un autre registre de chansons bien françaises, nous allons accueillir Dominique, qui va nous interpréter le plus beau de tous les tangos du monde, interprété dans les années 35 par Tino Rossi, puis ensuite Sous le ciel de Paris, créé et interprété entre autres par Juliette Gréco, Édith Piaf et Yves Montand. Si parmi vous des gens veulent danser, tango ou valse, n'hésitez pas, la piste est ouverte. Alors Dominique. Je ne savais plus quoi dire. Je n'ai plus passé. Ben moi j'étais là, je vous entendais bien là. Dans la salle, je ne sais pas, mais moi là je vous entendais très bien. Sinon, je vais être obligée de chanter à genoux. C'est Evelyne, il faut qu'il le coupe. Un, deux. Super. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, je suis très heureuse cette année. Est-ce que tout le monde entend ? Je suis très heureuse cette année d'être encore au Téléthon.
Je voulais juste ajouter un petit quelque chose à ce qu'a dit Roland. Cette chanson que tout le monde connaît, c'est donc Le plus beau tango du monde. Ça a été écrit par Alibert dans une opérette qui s'appelait Un de la Canebière. Et c'était en 1935. Ça fait donc 80 ans que cette chanson existe. Elle a donc été chantée, comme dit Roland, par de nombreux interprètes. Et elle a été dansée par des milliers de couples. C'est pour ça que s'il y a des amateurs de tango, je vous invite à venir danser. Voilà. On peut y aller. Merci. Près de la grève, souvenez-vous des voix de rêve chantées pour nous. Minutes brèves du cher passé, pas encore effacées. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car je n'ai connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Il est si tendre que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore. Et sans attendre pour nous griser, venez, venez danser. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Alors voilà la deuxième chanson. Elle est très spéciale pour moi parce que je suis née à Paris, comme parfois certains d'entre vous. Je suis arrivée à la Chaume à 12 ans. Donc mon cœur, il est comme Joséphine Baker. J'ai deux amours. J'ai un peu Paris et j'ai aussi la Chaume. Cette chanson, elle a été écrite en 1953. Elle a été interprétée par Édith Piaf, entre autres interprètes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, vous savez tous ce qui s'est passé. Donc je voudrais, si vous le permettez, dédier cette chanson-là à toutes les terrasses de café,
à toutes les petites tables entre amis, à tous les spectacles, bref, à tous les lieux où la joie de vivre, la convivialité, le partage rassemblent jeunes et moins jeunes, comme aujourd'hui. Voilà, c'est un amour de la vie à la française et il faut que ça reste comme ça. Donc ça s'appelle « Être sous le ciel de Paris ». Puisque ça fait déjà quelques années qu'ils animent des soirées, des spectacles, des moments de rue, entre autres la brocante de la Chaume et d'autres événements. Ils vont donc s'installer. Vous allez pouvoir aussi profiter du bar. Donc il y a trois pôles très intéressants. Le pôle bar avec boissons, chocolat, café. Le pôle pâtisserie. Les pâtisseries sont toutes des pâtisseries maison, comme le disait Annick tout à l'heure. Et puis, il y a un pôle confiserie. Confiserie avec des bonnes confitures maison, des pâtes de coin. Et puis, le petit crayon mascotte fétiche du Téléthon 2015. Alors, gentil petit cadeau de Noël, par exemple.
Alors, profitez bien de cette entracte, régalez-vous et surtout n'oubliez pas votre cœur. Donnez, donnez, donnez pour le Téléthon. Voilà.